Au départ, je voulais réagir au State of Play de PlayStation sur une rediffusion du vendredi soir ou du samedi matin pour vous poster la vidéo le week-end, mais j'avais trop envie de vivre les émotions en direct de ce State of Play parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment des annonces qui vont nous marquer. Donc là, actuellement, au moment où je tourne cette introduction, il est 23h53, le State of Play commence dans même pas 7 minutes, donc je vais me dépêcher. Au moment où vous allez regarder la vidéo, ce sera le petit matin, le vendredi, il sera 7h30, peut-être que vous serez devant votre petit déjeuner en train d'aller au boulot, ou vous serez déjà peut-être déjà au boulot. Donc moi, je vais vivre les émotions en direct, et vous, indirectement, vous allez être un peu avec moi pour vivre tout ça. Donc installez-vous confortablement, on regarde le State of Play de PlayStation, c'est parti. Allez, c'est parti dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. State of Play, PlayStation du jeudi 30 mai. C'est parti. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'ils nous concoctent? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Hi everyone, I'm Asad Kizilbash, head of product at PlayStation Studios. And head of PlayStation Productions. I'm here to welcome one of the newest members of the PlayStation Studios family, Bioware. Si on peut mettre les sous-titres. This team brings together some of the most talented developers in our industry, with an incredible pedigree in the online multiplayer space. Alors, on est sur un flux en 4K. We announced their first game, Concord, last year. And today, they're revealing gameplay captured in-engine on PS5. But first, here's an extended vignette introducing some of the cool characters you'll find in the Concord Galaxy. Enjoy. Hop là, allez. C'est parti. Firewalk, Crater City. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je pense que c'est de la cinématique, hein, parce que si c'est les images du jeu, c'est trop beau. Oh, tu pars. It was a spontaneous creative decision made after years of careful research. Being really old and almost dying a bunch doesn't count as research. Almost dying is the best way to learn how not to die. Besides, it worked, didn't it? How much longer for the upload? Few more minutes. Hey. C'est une nouvelle licence, hein, c'est un truc qu'on connaît pas. Hein. Oh, no, no. Do not trust him. Oh, where is this coming from? It's coming from you back on the ship saying, trust me, le son, c'est bon. We'll stick to the plan. We can do this. And then, that. That was not the plan. Technically, it was a plan, it just wasn't the same plan that we started with. If we don't leave with this blue button... Amar, we will. We will. I'll be waiting outside. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? No one moves. We'll be taking this off your hands. What? This? Funny. C'est ultra bien fait, hein. Même pour de la cinématique, hein. Ça va être du jeu multijoueur, ça. Well played. You are wounded. Fine. I only got one of my legs. But how are those hands? Wow, c'est un super héros là. You're still mad at me? Un peu des Gardiens de la Galaxie version jeu vidéo. Lennox. Got him. One off, this is you. Got it. I am developing a taste for destruction. Goodbye.
a very dishonorable way for us all to die. Don't worry. Nobody's dying dishonorably. And also, we're bringing this back with us. Hey, Mark. What are you doing? Getting us to the rendezvous point. Perhaps we should have let go also. One off. Do not dare. Well, we were supposed to stick together. If you let go, I swear I will be vengeance. Oh, look, there they are. Hi. What the? I am glad you avoided a dishonorable death. Almost dying is the best way to learn how not to die. Or something. I knew this was gonna work. This wasn't the plan. No, it just wasn't the one we started with. All right. Another satisfied customer. Goods delivered. I send everyone their cut. Ooh, yeah. So do you like carry it around with you for emergency bland situations or whatever? Hey, Mara. Don't joke about something like this. Our next job is somewhere with less scaffolding. We'll have no scaffolding. Zero scaffolding. I promise. We were apart for so long. I thought I'd never feel your fiery embrace again. You sound ridiculous. Concorde. Effectivement, hein, un jeu nouvelle licence. On sait. Concorde is a 5v5 first-person shooter set in the vibrant sci-fi universe of the Concorde galaxy. In Concorde, from the moment you log on, you are part of the crew of the North Star, a group of guns for hire known in our galaxy as Free Gunners. Free Gunners are those lucky enough to be free to roam the stars. They take high-stake jobs on worlds across wild space, where they face other fiercely competitive Free Gunner crews. Here's the very first look at the gameplay of Concorde. Donc du gameplay, mais à mon avis, c'est vraiment du 5-5 en mode multi, quoi. Donc ça sera connexion internet obligatoire. C'est pas un jeu solo narratif. Well, you're free. Right on target. Yeah, you better run. Free Gunners have a shot at making something of themselves. A chance to be someone. All right. C'est très beau, mais bon, après, c'est des arènes de combat, quoi. La musique est stylée. Bon, graphiquement, les visages, c'est dingue, hein. It's anyone's game. You won't survive on your own. Target blinded! Finally, to battle! Les très beaux effets, tout ça. Endless rage! We risk our lives every day to do the job. I'll clear the way. Time to show them the big guns. That's me. This crew will go anywhere. Take any job. Face any enemy. Après, ça reste que du combat, donc l'histoire, voilà, ça va être. J'ai un peu peur du style, hein. Un peu comme le dernier jeu Suicide Squad qui a pas du tout fonctionné. La musique est stylée, le style du jeu, le graphisme est vraiment sympa. Maintenant, le style de jeu, je sais pas si ça va me botter, quoi. We leaned on the strengths and background of our team to make a tight, well-balanced FPS that feels great to play. We focused a ton of our attention and our tech on building a strong gameplay foundation of tight core movement, precise visceral shooting, and expressive abilities. We ended up finding ourselves influenced a lot by fighting games and even strategy games in the interesting way that the asymmetry of their characters makes every fight, every matchup feel really different. Leaning into the asymmetry of the characters, really pushing the possibility space of two different characters colliding, it's all about creating opportunities for improvisation. That's where we can get out of the way and let players find their own magic. We also have abilities that are meant to have impact beyond direct combat. Deployable gear that can persist throughout a full game, so whether that's multiple rounds of a mode or multiple respawns across a match.
There are healing pads, bullet-blocking domes, explosive traps, lane-blocking walls, all kinds of ways to support your team. C'est pas le jeu qui va faire vendre des consoles, en tout cas, je pense. Ça, c'est clair. Il y a une grosse présentation, parce que ça fait déjà 11 minutes sur le même jeu. Il y a 30 minutes. Every character brings their own unique personality, skills, and wide-ranging perspectives to the crew. Il y a un gros travail sur les visages quand même. When you log into Concord, you will be welcomed with a new cinematic vignette that will give you a chance to see our characters off the job. They will feature ongoing narrative arcs that grow the characters' stories and relationships and unpack the broader Concord galaxy. Ah, donc c'est un mélange vraiment quoi. We're excited to share that we'll be hosting a pre-launch beta in July. Followed by Concord's global launch on August 23 août 2024 avec donc une bêta en juillet. Et donc vraiment ça va être un peu un mélange de jeux solo où il y aura quand même une histoire avec des cinématiques suivies de multi pour faire avancer le gameplay. Bon, ça peut être sympa, faut voir ce que ça donne, mais moi c'est pas le genre de jeu qui m'attire vraiment quoi. On a quand même passé 12 minutes sur un jeu, il y a 30 minutes. PC, God of War Ragnarok, ça c'était sûr, ça allait arriver sur PC, le God of War. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, ce PC il va être encore magnifié. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bon ce jeu. Si vous n'avez pas de PS5 et que vous avez un bon PC, prenez-le. Faites-le parce qu'il est fou. On attendra le prochain God of War sur PS5. Hein. Il y a tout là, DLSS, Free Mash, il y a tout là total. Super ultra wide support. Alors espérons que ce soit mieux optimisé que Last of Us quand il est sorti sur PC parce que c'est une catastrophe. Mais bon, Santa Monica, ben Naughty Dog, c'est des bons aussi. Hein, mais... Voilà, petit passage donc, de God of War Ragnarok qui sort sur PC. Est-ce qu'il y aura la date? 19 septembre 2024. Donc à la rentrée. Je l'ai platiné. C'est le Ghost of Tsushima, ça, non? Assassin's Creed. And officials alike. Pas du tout. Oppress the people for personal gain. And the people must turn to thievery. Okay. Encore au Japon, il y en aura des jeux au Japon. Il y a eu Rise of the Ronin, il y aura Assassin's Creed. This is heaven's way of lamenting the state of the land. Men are powerless. On dirait un Mouzou là, Dynasty Warriors ou un truc comme ça. But even so, someone must act. C'est un Dynasty Warriors ça. Wow, le monde. Ah ouais, le monde à l'écran, truc de ouf. Ouais, c'est ça, c'est Dynasty Warriors 7 ou 6. Ou... Il y a du monde à l'écran, là. On voit que la capacité de la PlayStation est exploitée, là, quand même. Dynasty Warriors Origins 2025, ouais, c'était sûr Dynasty Warriors là. Ça c'est vraiment ceux qui aiment bien ce genre de jeu. Intold. C'est très japonais pour le coup. The path of a stylist is never easy. So, are you ready for it? Ready. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de mode à la japonaise. Ça, c'est le genre de jeu qui plaira à ma fille, ça.
c'est pas le genre de jeu qui me plaira à moi en tout cas. Ça c'est Space. C'est pour les filles quoi. Après c'est joli quand même, ça va. Infinity Nikki. Or is Infinity awaiting you? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Pas trop compris ce qu'on faisait sur le jeu, en vrai. C'est toujours la même boîte là, Intel, là, je sais pas quoi, qui fait le jeu là. Tipsworks, non, ça n'a rien à voir. C'est pas le jeu chinois là? Ce serait pas une société, une boîte chinoise là, des développeurs chinois, Tipsworks? Ça fait penser un peu à Lords of the Fallen là, avec le passage de du monde grâce à la lanterne là. Mortality. These essences shall not fall into your treacherous hands. Ouh, c'est beau. We with emissaries. Grant us the forgotten miracles. Rain fire from above. C'est très très beau. On dirait un peu un Souls-like quoi. Remember. No matter what happens. Les visages sont pas top, mais alors les décors, les animations et tout, c'est fou. Ballad of Antara. Ok. 2025. Allez, on enchaîne, on est déjà à 18 minutes. Skydance's Behemoth. Cadence Games, PlayStation VR 2. Là, c'est un jeu PSVR 2. I thought I could be a hero and break the curse. But I was a fool. PSVR 2, j'avoue qu'elle envoie du lourd. Ah, c'est ceux qui ont fait Walking Dead Saint and Sinners. C'est très bon jeu VR. And the gods that walk among us thirst for death. On a passé un cap quand même en VR avec la PSVR 2 quand même. Hein. Imaginez-vous avec le casque comme ça, avec le truc qui vous arrive au devant là. Pas mal. Quand tu perds la flèche, il tient. Oh, il carrément. Only monsters do. Skydance's Behemoth, fin 2024. Ah ouais. Ça doit faire flipper quand il y a le pied qui vous arrive dessus pour vous écraser là. Je suis pas, j'aime bien la VR mais je suis pas fan. Encore un jeu PSVR 2. LV354. Ah, c'est un jeu PSVR 2 justement sur Alien. Ah, ils auraient pas pu nous faire ce jeu-là en mode pas VR quoi. Ah, c'est beau, ça va faire. Alors ça va faire flipper en VR. Oh là 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 là. Ah, génial.
Rogue Incursion. Incursion. Juste pour ça, j'aurais pris une PSVR 2. Et donc, ouais, Noël 2024. Ça, c'est bien, ça. Dommage qu'il fasse pas un jeu Alien... pas en VR, quoi. Ah, ça, c'est vraiment bien. Hi everyone, I'm Sean Benson. I'm back on State of Play to introduce more exciting titles coming to PlayStation. Starting with a highly anticipated PvP shooter, playable soon on PS5. Alors, shooter PvP. Marvel. Encore une fois, du jeu en ligne. Ça c'est du jeu, voilà. Player vs player. Pareil, c'est pas le genre de jeu qui m'attire particulièrement. Pour l'instant, à part le Alien en PSVR 2, après, les autres jeux étaient assez beaux, mais bon, on n'a pas vu grand chose. Pour jeu de bourrin là, pour le fou, hein. Et puis on peut activer en équipe, on peut avoir des pouvoirs plus puissants. Des corps destructibles. Et une esthétique assez sympa. Rivals. Ouais. Pas fan, même si j'adore Marvel. Everstone Studio. Beaucoup de jeux en mode japonais quand même, hein, au Japon. Hein. On voit que le studio a été repris par des PDG qui sont japonais. Ça, c'est pas le jeu. Si, c'est le jeu chinois, ça. On avait déjà eu des images de ce jeu, il a l'air mortel. Très très beau. Je me rappelle plus le titre. Ça c'est un studio chinois, ça. Oh, c'est beau, là. Un peu à la Black Myth Wukong. Hein. Oh. Ouais, c'est ça, on peut se balader sur les bambous, on peut... Un peu à la Tigre et Dragon. Where Wines Meet, je crois que c'est celui-là, ouais. On avait déjà vu ce jeu. En développement sur PS5, il n'y a pas de date. Un jeu PlayStation Studio. Attention, qu'est-ce que ça va être? Hello, Ballistic Moon. Fans. I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Ah, le jeu en mode film d'horreur, là. You can't hide from me, Michael. Oh, you're going down. Oh! C'est un remake, c'est quoi? It means so much to me that we're all still here together. Fight the break of dawn. I feel like someone's watching us. There's just someone out there. Let's make this one trip we will never forget. Mike, Emily. Ah, c'est cette espèce de jeu interactif là. Je me rappelle même plus le titre du jeu. Je l'ai jamais fait, mais j'ai l'impression que c'est un remake. Hein. Alors, si vous aimez bien les films d'horreur, les slashers, tout ça, et que c'est... vous voulez participer au jeu, être spectateur. Ne pas être spectateur, justement, mais acteur du film. Parfait pour vous.
C'est bien sanglant en tout cas. Bon slasher. Until Dawn. C'était ça, voilà. Donc PS5 et PC Fall 2024. Donc c'est un remake hein, d'Until Dawn. Fin 2024, le remake. Suivant. On est à 26 minutes. Path of Exile 2. Il y a toujours un One More Thing. Normalement, on verra à la fin ce qu'ils vont nous lâcher. Grinding Gear Games. Ogham was once a peaceful land. But each day descends further into madness. Famine and plague besiege us. The very earth is being poisoned. The Count's men, once our protectors, have voilà, c'est un jeu peut-être à la... And now, they come for me. À la Diablo, un truc comme ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est un jeu à la Diablo. Pareil, pas du tout le genre de jeu qui m'attire. Moi, je suis vraiment sur les genres de jeux solo narratifs. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. En tout cas, me concernant, vous me direz en commentaire s'il y a déjà des jeux qui vous ont tapé dans l'œil. Moi, c'est le Alien, là, dommage, quoi, que ce soit sur PSVR. C'est quand même assez joli hein, pour le coup. Pour un style de jeu à la Diablo, c'est quand même très très soigné. Crossplay. À un moment donné, ça sortira sur, peut-être sur PC aussi. Ça mélange des pistolets avec de la magie, avec des combats à l'épée. Ça a l'air d'être Path of Exile. Fin 2024, il y a beaucoup de jeux fin 2024. Ok, bon. Pour les adeptes de jeux à la Diablo, ça peut le faire. Excuse me. Bah, Silent Hill 2. I'm sorry. I was just... It's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm looking for Silent Hill. Alors juste après normalement cette conférence, il y a la conférence Silent Hill. Je reviendrai peut-être dessus sur une autre vidéo pour le coup, hein, parce que je, là que j'allais me coucher. Maybe. Je vous ferai peut-être la vidéo de Silent Hill samedi. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. Le premier gameplay m'avait pas attiré, hein. Je trouvais qu'il y avait des lacunes quand même, que c'était pas hyper beau. Peut-être une petite amélioration au niveau des visages là. Ça a l'air d'être bien angoissant. Ah, c'est horrible. Le noir total, alors ça va vraiment faire flipper à mort. I'll be good, I promise. Tell him I'll be good, please. C'est toujours pareil, hein, les mouvements, l'animation, c'est un peu rigide. Hein, C'est déjà plus le genre de jeu qui me plaît. 8 octobre, on a la date. 8 octobre 2024. Alors c'est bizarre qu'ils nous balancent ça là alors qu'il y a un Silent Hill direct juste après à 1h du matin et ils vous balancent déjà la date et tout là-dessus. Bon. December, offering just a glimpse of what's in store for their celebrated franchise. Today I am so excited to share the first full gameplay trailer for Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds. Donc ça c'est les fans de Monster Hunter, vous allez être aux anges. Pareil, je suis pas fan Silent Hill 2, ouais. Oh, c'est beau. As soon as we find a good spot, we can get things set up and ready to go. Non, c'est vraiment beau. We can get started. This is gonna be great. You bet. I hope we find them soon. C'est bien fait, hein. Look.
Ah oui, c'est beau. I've never heard of a Karatnoth herd this big before. One of them's got big spikes on its back. Oh waouh, là j'avoue. Si c'est un monde ouvert comme ça. C'est le moteur du jeu, hein. Ah ouais, franchement, c'est... Oh, c'est bien fait. On va peut-être pouvoir se servir des éléments et du terrain pour attaquer les monstres. Ah ouais, c'est... Voilà. C'est un jeu qui est très exigeant, hein, pour le coup, hein, pour pas la portée de tout le monde non plus. Ah ouais, les autres animaux peuvent attaquer. Je sais pas si c'est fait exprès, bon, il y a une espèce de flou sur l'arrière-fond de, du jeu, je pense que c'est pour des raisons techniques. Et du coup ça rend bien, je trouve. Waouh, la vache, c'est beau. Ah voilà, tous les fans de Monster Hunter, vous devez être comme des fous là. Ouais, là, c'est un truc de malade. Ah là, Capcom, il a mis la barre très très haut, là. Waouh. 2025, ah ouais, là, c'est... Waouh. Est-ce que ça tournerait pas ça sur une petite PS5 Pro, quand même? Est-ce que ça tournerait pas sur une PS5 Pro? Parce que là... Un jeu PlayStation Studio. Allez, balancez-nous du lourd, là. Team Asobi, donc... Le petit robot, voilà. C'était prévu, hein, qu'il fasse un jeu dessus. Le jeu qui est gratuit dans la PlayStation 5 quand vous l'achetez. C'était très bon, hein. C'était un jeu quand même qui durait quasiment 4-5 heures. Hein. Là, c'est à fond exploité pour la PS5. Voilà, SSD, la DualSense, la Total. Petit jeu de plateforme, hein, ça va être le Mario un petit peu de la PlayStation. Bon, ça pourrait très bien être un jeu Nintendo, que ça m'aurait pas étonné. Hein. Ça fait très... Ouais, c'est original, il y a vraiment des idées de gameplay qui sont sympas. Je pense qu'il y aura plein de clins d'œil à différents jeux par rapport à The Rapper. À la PlayStation 5, il y aura plein de clins d'œil à PlayStation, aux jeux PlayStation. C'est beau, hein. Graphiquement, c'est pas mal, hein. La musique est entraînante. Oh, ça part dans tous les sens. Ouais, c'est ça, il va y avoir plein de clins d'œil à... On va aller dans des mondes différents de PlayStation. C'est cool. Ouais, God of War... Horizon, Uncharted. Ah voilà, total quoi. Avec toutes les consoles là partout.
PS2, PS3, PS1. Astrobot, voilà. C'était prévu. C'est vrai que Julien Chies en avait parlé. 6 septembre à la rentrée 2024. Pas mal, pas mal. C'était pas le One Morphing quand même. 1:36, ça fait 36 minutes. Be sure to visit PlayStation blog for more on the games you just saw, as well as PlayStation.com for the latest on Days of Play. Days of Play. This global okay. celebration runs through June 12th, with deals on PlayStation Store, okay. great new content coming to PlayStation Plus, allez, and much more. Allez, One Morphing quand même là. Non? Un dernier truc à nous donner là? C'est fini? Bon, y a pas eu énormément de choses. Le truc. Ah, c'est terminé. Y a pas de One Morphing. Dommage. C'est tout. On est sur la fin. Allez, on est sur la fin. On se remet en face caméra, les amis. Bon, écoutez. Il n'y a pas grand chose qui m'a vraiment tapé dans l'œil. On attendra vraiment un PlayStation Showcase à la rentrée en septembre pour nous balancer vraiment les gros jeux PlayStation Studio. Ils ont sûrement quelque chose à nous vendre. Peut-être avec, comme je vous ai dit, une PS5 Pro qui sortirait pour les fêtes de Noël en nous annonçant un gros jeu derrière pour nous vraiment balancer la totale. Voilà, ils nous gardent quelque chose, c'est sûr. Maintenant, le jeu qui m'a le plus vraiment marqué, c'est le Alien là en PSVR 2. Quel dommage, rétribution ou je sais plus le nom, vous me direz en commentaire. Mais ouais, non, c'est tellement dommage que ce soit en VR, parce que si ce jeu-là avait été voilà, en mode console normale, sans la réalité virtuelle, pardon, ça m'aurait botté à mort. Parce que Alien Isolation, si vous ne l'avez pas fait, c'est un de mes jeux préférés ever que j'ai fait dans la licence Alien. C'est juste une dinguerie et j'aurais tellement voulu avoir une suite un peu à ce jeu-là. Bon, c'est un peu dommage. Après, il y a eu bon, le God of War sur PC, le Astrobot, jeu exclusif PlayStation pour le coup, qui va regrouper plein d'univers PlayStation différents, qui peut être vraiment sympa. Des jeux un peu... le Monster Hunter qui m'a claqué à la tête. Alors celui-là, le jeu de Capcom Monster Hunter, au niveau graphique, c'est un truc de ouf. Et franchement, je pense qu'il sortira sur PS5 Pro, parce que le niveau des graphismes, c'est juste un truc de malade, quoi. Donc franchement, ouais, le Capcom Monster Hunter Wilds, le Alien Isolation, le Astrobot, bon, voilà, il y a quelques petits jeux sympas quand même à se mettre sous la dent. C'était pas un truc de fou. Maintenant, on attendra, comme je dis, la rentrée pour le vrai PlayStation Showcase avec peut-être une présentation de la PS5 Pro. On va attendre le Nintendo Direct aussi, parce qu'ils ont peut-être quelque chose sous la botte aussi à nous refiler Nintendo, parce que pour la fin d'année, il n'y a rien sur la Nintendo Switch, donc je pense qu'ils ont gardé aussi des cartouches un petit peu comme ça pour la fin d'année. Le Summer Game Fest, on est en plein dedans, on va rentrer au mois de juin dedans, il y aura plein de nouveautés gaming, donc restez bien connectés sur la chaîne, activez la petite cloche pour pas manquer les vidéos qui vont arriver. Si vous voulez me soutenir, le petit abonnement, ça mange pas de pain, le petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment, et puis pour la machine YouTube, maximisez les commentaires, parce que c'est ça qui fait le référencement de la vidéo, qui me fait remonter un petit peu en tête de page YouTube, devant les gros YouTubeurs comme Julien Chies, etc., qui monopolisent toute l'attention. Voilà, les petits YouTubeurs, on a besoin de vous, donc je compte sur vous. Voilà, j'espère que ce direct un petit peu que vous avez vécu avec moi, mais que vous avez vécu un peu indirectement aussi, ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, revenez sur la chaîne, abonnez-vous encore une fois, le petit pouce, voilà, tout ce qui va bien. J'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo, justement. Portez-vous bien, les geeks. Ciao, ciao.